Tu veux que je me pose où? Bah tu te décales un petit peu, regarde, moi je suis à côté de l'image, décale-toi un petit Alors, peu. Voilà, je peux avoir un peu de place dans cette vidéo ou tu veux tout oui. prendre? Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, je suis avec ma maman. Bonjour les gens. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo très tranquille, pas de prise de tête, où on va simplement rire, on va passer du bon temps avec ma mère. Petite précision, si vous avez l'impression que ma maman a de la peine à parler, souvent on pense qu'elle est bourrée ou qu'elle est bizarre, c'est pas du tout le cas. Non, j'ai un but, j'ai simplement une maladie génétique qui peut altérer un peu l'élocution. Voilà, donc c'est explique voilà. pourquoi donc, des fois tu mets du temps. Mais tout ça va ne pas l'empêcher de pas rire à mon avis. On va voir. Qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Alors j'attends. Ah oui, c'est vrai que tu sais pas. En fait, aujourd'hui, nous allons simplement faire le test. Surprise de... Exactement, surprise, ma mère est complètement folle. Et... Qu'est-ce qu'il y a? Ça tombe bien, maman, parce qu'aujourd'hui, on va faire le challenge qui est très connu sur YouTube, qui s'appelle « Essaye de ne pas rire ». On va simplement regarder des vidéos, et le but, c'est de ne pas rire. Bah, ça va être dur, hein. Si moi, je rigole, là, t'as le droit de raconter une anecdote, n'importe quelle anecdote, à mes abonnés. Ouais, d'accord. T'as déjà des idées ou des choses? Ah oui, des idées, toujours. Attends, mais et, fais attention à ce que tu racontes, il y a quand même beaucoup de gens qui nous regardent, hein, tu vois bah, pas. Écoute, on verra. Par contre, si toi, tu rigoles, moi, je raconte quelque chose sur ma mère. D'accord. Ok, on va regarder des compilations de vidéos. Je mets mes lunettes alors. Mets tes lunettes, hein, je suis en train d'expliquer, elles s'en bat les couilles. Hein, j'étais en train de t'expliquer quand même que nous allons regarder une compilation, ça va être assez rapide, ça va enchaîner. D'accord. Des fois, y a des t'as pas vu avant alors? J'ai pas vu, non. C'est de la triche. J'ai pas vu, bah non, bah non. On découvre ensemble. On découvre ensemble. Maman, est-ce que t'es prête? On commence déjà ouais, ou pas? Ouais, allez. C'est tellement nul. Ouais, ça te fait rire cette vidéo. J'ai rigolé, c'était le début, faut que je me concentre. C'est la première fois que je fais ce jeu aussi. Hein. Moi aussi. Donc première anecdote. Je me suis toujours demandé pourquoi tu étais un peu déjanté. À l'âge de 1 mois, alors que tu sortais du bain, je te mets sur la planche allongée, je cours à la salle de bain prendre un habit oublié, je reviens, mon JT face contre terre. Il est tombé de la commode à 1 mois. Il bougeait plus. Oh, j'ai dit, il est mort. Je l'ai mis à la sieste. Il pétillate, m'a rassuré. Dieu merci, il est encore là. En fait, dans cette vidéo, je vais plutôt apprendre la réalité sur ma mère qui me traumatisait. C'est horrible. C'est un peu nul, hein. Better. C'est pas drôle. Non. C'est vraiment pas drôle. Non. Le premier était drôle. Ça te fait pas rire, ça? Non. Moi non plus. Ça pourrait. C'est pas drôle non plus, quoi. Ok. C'est dangereux. Si jamais vous venez à freiner... C'est pas drôle? Non. Et ça? Oh! Mmh. C'est pas drôle. Hein. Honnêtement. Ok, ok. Mais c'est bien. Non, je rigole pas, je t'écoute. Tu rigoles. Regarde! Ah. Ce qui me fait rire, c'est toi, c'est tes réactions. Ah, j'en peux plus là, à chaque vidéo, tu regardes, là, genre, non, c'est nul. Ah, purée, j'y peux plus là, j'en peux plus. Ah, à chaque vidéo, t'es complètement blasé en disant c'est de la merde, c'est de la mais merde. Mais toi, tu penses pas que c'est de la merde? Non, moi, ce qui me fait très très rire, c'est ce côté où toi, je te vois là et t'es là, ah, genre. Ah, mais moi, j'ai horreur. Elle a horreur de ça. T'as horreur de ce genre de vidéo? Tu trouves ça débile? Oui! Bon, bah vas-y, balance une anecdote, alors, c'est pas grave. Elle te déguisait à l'époque. Ma sœur. Un maillot de bain, une pièce. J'ai oublié ça. Un sac
sortait et puis elle te rentrait le maillot de bain dans les fesses pour faire un string et tu jouais à la danseuse pour lui faire plaisir. Voilà. En fait, je pensais que c'était une bonne idée de faire une vidéo avec ma mère, mais je vais perdre des abonnés en fait. Non seulement c'est pas drôle et en plus je me ridiculise avec des anecdotes. Ah ben ça. C'est vrai, putain, j'avais oublié que je jouais à la fille en fait. Ouais. T'étais trop gentil. Comme à Noël, tes cadeaux, tu lui donnais. Trop gentil. Vous l'avez entendu, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ma maman. Bah, tout ça ouais. N'est pas monté. J'ai pas demandé ce que tu penses de Fantasma, par exemple. J'adore. Les lieux hantés, tout ça, t'aimes bien? Ouais, Fantasma, j'aime bien. Les reportages, j'aime bien. Animalis, alors là, le clin d'œil aux animaux. Ça me plaît. Il était tout petit, je lui ai offert une caméra. Il devait avoir 8 ans ou moins. Et depuis, il faisait des montages, des trucs de fou. C'était fabuleux. Et on a passé toute son enfance à vivre des sketchs, des trucs. Tous les jours, il passait son temps à nous filmer. Puis on a ri. Alors là, on a ri. Cette vidéo se transforme en moment émotionnel. Vous apprenez des vrais dossiers. Je vous le promets, on fera un medley. Pardon? Et là, vous allez... Ok, toi, tu annonces déjà que tu as balancé toutes ces anciennes vidéos. Oui. Je te laisse digitaliser tout ça. Merci, maman. Alors, à bientôt. Et n'hésitez pas à poster vos commentaires. Non, c'est bien, j'ai rien à dire, c'était bien. Alors, moi, je me suis bien éclaté. Ah bah, on a vu, hein. Ba 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 ba